Salut à tous, c'est Mangalore, on se retrouve sur Forza Horizon 3. Forza Horizon 3, et voilà les conneries qu'on peut faire lors de live. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Vous avez toutes les informations qui sont dans la description de la vidéo. Ah ouais, je peux vous dire que on fait un petit peu tout et n'importe quoi lorsqu'on fait des lives. Donc vous êtes les bienvenus. Allez, on est parti pour un petit Forza Horizon, mais avant ça, vous le savez, je suis en train de cumuler un petit peu les crédits. Alors, 25 millions, c'est pas mal. Mais un peu plus, 26 millions, presque 27, ça commence déjà à être un petit peu mieux. Il manque un petit quelque chose. 27 300 000, ouais, c'est pas mal, mais je sais pas ce que vous en pensez. Je vais encore essayer de faire grimper la cagnotte. En attendant, on va gagner, enfin gagner, là, franchement, là, c'est le Forzaton de la rigolade, un Raptor F-150 édition Horizon. Pour ça, il vous suffit, lisez bien, franchement, il n'y a rien de compliqué, et c'est vraiment fait rapidement, vous achetez ou vous vendez deux voitures dans la salle des ventes. Donc c'est le truc le plus basique au monde, et vous gagnez avec ça un Raptor édition Horizon. Vous savez ce que valent les voitures édition Horizon, ça vaut quelques millions. Donc j'aimerais pas lire dans les commentaires ou quand on sera en ligne à jouer ensemble des choses du style ouais mais bon cette bagnole elle est pas cool, elle sert à rien, c'est pas super utile. Si c'est pas utile, on s'en fout, vous la prenez, vous la vendez, vous prenez les millions et vous achetez autre chose avec. Voilà, le seul truc, pensez-y, ne vendez pas ou n'essayez pas de vendre cette bagnole pendant qu'il y a encore le Forzaton, parce que bien évidemment, comme c'est super simple à gagner, tout le monde va pouvoir la gagner. Il faut attendre un petit peu, vous attendez 15 jours après le Forzaton, et là vous essayez de la vendre. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver, bon, allez, deux petites bagnoles à acheter, on va pas se casser la tête. On va trouver deux bagnoles à acheter, des trucs pas chers, une petite Lotus 2-11, ça c'est un truc qui est pas cher. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Vous fouillez, vous regardez là-dedans, vous cassez pas la tête, vous pouvez effectivement faire vos enchères si vous avez le temps. Sinon, vous prenez un truc en achat immédiat qui n'est pas excessivement cher. Il y en a quand même pas, 72 000, c'est que dalle. Là, on va acheter tout de suite ça. Et vous verrez le budget à la fin, franchement, c'est ridicule. Pour gagner une voiture, enfin gagner, là on est presque en train de l'acheter, notre Forzaton. Là, on est à 39 000 crédits. Et puis ensuite, on va acheter encore un autre truc. Donc ça c'est gagné, hein, bien évidemment, il n'y a pas d'enchère puisque c'est un achat immédiat. Et puis ensuite on va essayer de se taper quoi? Un truc pas cher, voilà. La Monarque à 41 000 crédits. Allez, ça nous fait donc 39 000 plus 41 000, 80 000 crédits. Pas mal non? Allez, on va se taper quelques petits tirages au sort, je sais que vous aimez ça. Je sais que vous aimez le suspense, je sais que vous allez pouvoir rager aussi quand je tombe sur des cases à 2000. 30 000, c'est pas mal, mais j'aurais préféré la Diablo. Bon, en plus avec le VIP, vous le savez maintenant, j'ai le VIP depuis pas longtemps. Donc ça double le montant des gains. La GTO Dodge. Oui, mais ça c'est très très bon ça. Voilà une bonne nouvelle. Voilà une voiture et en plus on la vend, parce que je l'ai déjà. Et du coup ça rapporte plus de 100 000 crédits. La Mustang Boss 302, c'est pas la version édition Horizon. Attention à pas se mélanger les pinceaux. Il y a cette version là, standard, et il y a la version édition Horizon, bien évidemment. Celle-là, je l'avais pas, donc c'est plutôt une bonne chose. Ça remplit le garage. Mon objectif étant, bien évidemment, de remplir mon garage. Camaro E-Rock Z. Alors, la Camaro, ça me dit quelque chose. Ce modèle-là, ça me dit pas grand-chose. Mais je prends, bien évidemment. Et regardez ça, une BAC Mono édition Horizon. Si c'est pas beau ça, ouh, ça, ça vaut de la thune. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Une petite Ford GT, j'espère que je vais la gagner. J'ai, ouais, 40 000 crédits. Allez, x2, 80 000. On s'arrête là pour cette petite session de tirage au sort. Voici le Raptor édition Horizon. Avec plusieurs d'entre vous, plusieurs abonnés, on avait fait un soir un petit tour de Goliath avec cette bagnole. Alors, c'est clair qu'entre ça et la Dodge édition Horizon bien boostée en X999, il n'y a pas photo. C'est vachement plus lent. Prenez du temps
pour faire votre Goliath. Faut vraiment avoir envie de faire du Goliath avec cette bagnole-là. Ça n'apporte pas grand-chose, hein. Ça a vraiment pas grand-chose puisque c'est une édition Horizon boost de crédit comme d'autres voitures beaucoup beaucoup plus rapides. Mais comme je l'ai dit précédemment, c'est quand même une bagnole qui vaut de la thune. Donc donnez-vous au moins la peine de pouvoir faire ce Forzaton pour avoir cette bagnole. Après, vous la vendez. J'ai dû en avoir 2 ou 3, je pense, dans le jeu, ou peut-être même 3 ou 4. Vous vendez ça, même si vous ne la vendez pas au maximum. Vous en tirerez de toute façon largement de quoi faire. Et pour pouvoir acheter d'autres... une autre voiture ou d'autres voitures. Là, ça dépendra de vos goûts et de vos envies. Et du budget que vous voulez y consacrer. Allez, on va la ranger, celle-ci, tranquillement, dans le garage. Et j'ai encore une petite astuce à vous donner, que j'avais oublié lors de la vidéo du million de crédits en une heure. J'avais oublié de vous donner cette petite astuce. C'est assez important, j'en ai parlé aussi en live, c'est pour ça que c'est important. Rejoignez-moi sur Twitch, followez-moi sur Twitch, et venez me rejoindre, et venez regarder quand je suis en live, parce qu'il y a pas mal d'infos comme ça qui circulent, et des petites astuces pour gagner encore et toujours des crédits supplémentaires. Il y a une petite astuce au niveau du club. Je vous montre bien l'onglet, je vais essayer de vous détailler ça. Vous avez le club, vous êtes peut-être dans un club, vous n'êtes peut-être pas dans un club, donc... Déjà, le but, c'est d'être dans un club, sinon ça ne marchera pas. Vous avez votre classement dans ce club qui va se charger. Vous avez platine, or, argent, bronze ou inactif, ou plutôt dans l'autre sens, parce que quand vous démarrez, vous êtes plutôt inactif que classé. Et à chaque fois que vous gagnez suffisamment d'XP, là, malheureusement, c'est toutes les semaines, ça se remet à zéro. Là, malheureusement, je suis déjà platine. Ben, vous avez un nombre d'XP à remporter, et à ça correspond une récompense en crédit. Et quand vous arrivez, et quand vous passez de or à platine, vous gagnez 400 000 crédits. Alors, bien évidemment, il faut farmer pas mal. Quand vous faites du Goliath, là, vous arrivez à gagner beaucoup, beaucoup d'XP, et vous passez comme ça les niveaux, et vous grimpez les niveaux. Ça, c'est le classement de tous les clubs. On peut regarder également comment on est classé au niveau de ce club-là. 20 636, c'est pas fameux. Et vous avez la liste des membres à côté. Donc, vous pouvez rejoindre ce club, et nous faire monter, et gagner encore du pognon en plus. Allez, on va se quitter sur encore quelques tirages au sort. J'espère que cette vidéo, une fois de plus, vous aura été utile. 200 000 crédits, mais c'est très très bon ça. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'espère que je ne vais pas gagner grand-chose à chaque fois, sinon je vais m'arrêter à chaque fois dans mon discours. N'hésitez pas bien évidemment à la liker, n'hésitez pas à la partager très 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 largement. N'hésitez pas, quand vous me voyez connecté, à me rejoindre. Si vous voyez que je suis dans un Goliath, c'est pas la peine de m'envoyer des invitations. Je répondrai pas, parce que je suis concentré et parce que je dois farmer quelques crédits. Ouais, vous avez vu, hein, j'ai pas mal de crédits actuellement. J'ai quand même envie que ça monte encore un petit peu, parce que j'ai vraiment envie d'acheter pas mal de bagnoles et de vous faire une petite vidéo sympathique. Donc, on se retrouve très très vite. Amusez-vous bien. Portez-vous bien. Farmez bien. Pour avoir un maximum de bagnoles et pouvoir les améliorer aussi pour pouvoir faire des courses comme vous le souhaitez. On se retrouve très bientôt. Allez, ciao!